charmante ville de Nemours. C'est plutôt une ville sympathique, je connaissais pas, enfin de nom. C'est vraiment sympa. Et donc nous sommes le 14 juillet. Je pense qu'il y a les préparatifs du feu d'artifice devant le petit château de Nemours. Et nous, notre mise à l'eau, elle est là. Donc voilà, là on est arrivé au lieu de mise à l'eau. On a eu un bon 2 km à marcher, je pense un petit peu moins, de la gare de Nemours jusqu'à là. C'est sympa, on a fait notre petite course avant d'y aller. Et puis voilà, le temps est avec nous. Voilà, on est parti pour l'aventure. 22 km sur le loin, avec un petit bivouac bien sûr, de la viande grillée. Et en prime, si on a de la chance, pourquoi pas un petit feu d'artifice ce soir, vu que nous sommes le 14. Donc là, on navigue toujours. Enfin, on navigue, c'est un grand mot. On se laisse traîner pour le coup. Il y a un petit peu de vent, il y a le soleil. C'est magique. D'ici, on a dû s'arrêter, prendre les kayaks, hop, passer par là. Car il y a le barrage qu'on peut voir là-bas. Puis voilà, on va reprendre la rivière. C'est un beau petit barrage, même là, c'est un lieu sympathique. On est bien tranquille. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais de respecter la nature. Bon, voilà, la petite pause est terminée. Là, on va reprendre la route. Hein. Enfin, la route, l'eau. Il y avait le petit barrage là qui est assez sympathique. On a pris le temps de se poser, d'écouter l'eau couler. C'est relaxant. Au lieu d'entendre les voitures sur l'autoroute ou le périphérique, on entend l'eau couler. Et ça, c'est pas mal. C'est du freestyle. On doit esquiver. Ça touche ici. Ah, bloqué. Depuis tout à l'heure, on passe des petits champs sous-marins comme ça. Franchement, c'est super beau. Qu'est-ce qui se passe? Je marche sur l'eau. Ça change de la Marne. Là tu peux tapier, c'est la nature peinture de ouf. T'as de la végétation de ouf partout. Milieu du loin là, comme ça. Je pense qu'il va falloir un peu pas prendre par là. Petit coin sympathique, les gens se baignent et ils ont bien raison. C'est vraiment sympa comme endroit. Petite pause sur un coin sympathique. Il y a beaucoup de monde qui se baigne. En même temps, il fait chaud. C'est le 14 juillet. Tout le monde profite. Et ils ont bien raison. Donc là, on va faire une petite pause déjeuner. Comme d'hab, hein, ton taboulé. Tu veux lequel? Basilic ou citron? Alors, on part de la petite pause là. On a bien mangé. On s'est mis bien.
Bon allez, ouais, j'y vais et après je te siffle. On va voir ce que ça donne, hein, ce petit rapide là. Ah, ça bloque. Ah ouais, ça bloque, hein. Ok. Hein. Ah, mais moi ça a bloqué un peu, hein. Il y avait une moto qui allait à moi. Obligé de pousser les kayaks. Il y a mes tongs qui se barrent. Yeah, il y a une tong, je l'ai perdu. Oh putain. Allez là-bas, allez là-bas. Oh non, mais tranquille, je vais la rattraper. Bon voilà, il promène ses chiens. Débarquer les kayaks d'ici là, et franchement je crois qu'on a trouvé le coin parfait, un petit coin sympathique où il y a tout ce qu'il faut pour le coin feu, une table, de quoi poser la tente, même de quoi poser 80 tentes, et franchement je pense qu'on va se mettre bien, hein. Petite viande grillée, waouh, on a trouvé un des meilleurs endroits de bivouac. C'est vraiment top. Là, on n'a pas grand chose à faire. Hein. À part attendre plus de ce jeu, c'est tout. Ouais, ouais. Ah ouais, ça sera un autre endroit. Ouais. Sinon, ça sera. Il y aura un rond de bois pour se poser. Faire une table. Ouais, là, on sera en train de bosser là. Mmh. Regarde la tente, on l'a montée en 2 secondes. Mmh. Mais il passe sur rien à faire. Ouais, vraiment, ouais. On met le feu, on met la grille, on grille. Putain, elle est rentrée dans mes couilles, la gueule. Oh non, 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 non. Toi, tu veux une troisième couille. Je crois qu'on n'aurait pas trouvé mieux. On a posé la tente. Il y avait tout, on n'a rien à faire, même pas couper du bois, tout est là. Tout est prêt. Je vous aurais bien fait une vidéo comme d'hab où je coupe du bois, je m'utilise, mais là franchement j'ai rien à faire. On a rien à faire depuis tout à l'heure, on est posé, il y a tout en fait, on a rien à faire. On attend juste un petit peu qu'il fasse sombre pour allumer le feu et mettre la viande à griller. Mettez-leur les sièges. Voilà, petit siège, endroit pour faire le feu, un stock de feu. La table là-bas avec le... Une table pour manger, un terrain pour courir, pour faire des petits 100 mètres. Là, franchement, on est top. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc je vais pas vous filmer l'instant où on parle de tout et de rien. Donc on profite, hein, tout simplement. Mais bon, il y aura... des petits instants cuisine tout à l'heure.
Bah, le feu est bien parti sans surprise. Hein. Le bois était super sec, stocké depuis un petit moment. On va avoir de la braise de ouf. On va faire cramer de la viande de ouf. C'est une soirée de ouf, les gars. Bon, c'est le 14 juillet. Petit feu d'artifice de bivouac. Joyeux 14 juillet. Voilà, on prépare la petite gamelle de ce soir. Donc ça va être brochette de bavette, aubergine, oignons, tomates, côtelettes, ailes de poulet. Je sais pas où on va mettre tout ça, mais ça va passer en tout cas. Un petit barbecue en préparation sur double étage. Légumes en haut, côtelettes en bas, brochette à côté, aile de poulet en attente. Moi je peux te dire qu'on va se régaler. On va se régaler, voilà. Pas de problème Loulou. On continue avec des belles brochettes de bavette, pimentées, basilic, sel, poivre, coriandre. La base, hein. Voilà, c'est là où on a dormi, on avait posé la tente ici. Puis on se réveille tranquillement. Ah, il a plu dans la matinée. Sinon ça a été. La nuit a été bonne. On va repartir. On a laissé le lieu comme on l'a trouvé. Ni nos poubelles, ni rien du tout. Ils sont sur place. Puis on va reprendre gentiment le cours de la rivière. Bon, c'est reparti, on quitte ce charmant petit endroit. On a vraiment bien dormi. On a été accueillis comme des princes. Peut-être, hein. Pas partout. Hein. Parmi mes petits restes d'hier. En tout cas, le loin, c'est beaucoup plus sauvage que la Marne. Hein. Ok. Merci.
fait tu fais un saut carrément. Pas le choix. Donc là on arrive au niveau du pont. On est arrivé. Ça tombe bien puisqu'il commençait à pleuvoir. Donc voilà, on est un peu. Les 23 km. Ah, moi ce petit canard. Ah c'est là-bas je pense. C'est perdu. C'est pas un canard ça. Un oiseau. C'est pas les tondous, hein. Bon au final j'ai vu ses petits frères sur l'île là. Enfin c'est. Ça doit être la même famille, donc il a reposé. De ranger les kayaks, ça va être un retour à la gare sous la pluie. C'est aussi ça l'aventure, trimballer ces gros sacs, c'était pas une partie de plaisir. Maintenant direction Paris.